Les huiles sacrées et les onctions, depuis la nuit des temps, elles existent dans ce monde. Depuis la nuit des temps, que ce soit en la Sumer ancienne, que ce soit en la Lémurie, chez les Égyptiens, les Esséniens, que ce soit en Babylone, en Mésopotamie, eh bien les huiles existent. Marie-Madeleine vient leur redonner vie, vient mettre son énergie féminine, sa puissance féminine, son amour inconditionnel. Et elle vient à travers les huiles arroser la terre mère, comme si elle venait à travers les huiles nettoyer, ouvrir les cœurs, retirer les écailles. Que ce soit dans la Bible, on retrouve l'information sur les huiles essentielles, sur les huiles sacrées, sur les huiles d'onction. On la retrouve également en la Sumer ancienne, où la déesse Inanna a été représentée avec une fiole d'huile sur sa poitrine et des effluves en émanaient. Et à travers ces effluves, vous voyez des personnages autour, ou différentes créatures qui étaient arrosées par ces effluves. On va retrouver aussi les huiles au cœur de l'Ancien Testament, où les rois d'Israël, les prophètes, les lépreux, étaient aussi arrosés d'huile. Comme s'il y avait pour eux la possibilité de retrouver dans la force et la puissance de l'huile une dignité, mais en même temps, au-delà des malades, de permettre aux rois, de permettre aux prophètes, de pouvoir la s'ouvrir à la sphère divine et d'entrer dans la sphère divine. On retrouve ainsi au sein du Nouveau Testament également eh bien, les huiles qui sont là et qui viennent la scander comme cela au sein des textes, au fur et à mesure des épisodes, la vie de tout un chacun. Les Juifs, on parle, lorsqu'ils étaient accueillis en signe de bienvenue, avaient souvent de l'huile qui était versée sur leur tête. Marie-Madeleine n'est pas la seule, elle a été enseignée, comme beaucoup le savent, au sein eh bien, des temples égyptiens, où on retrouve là aussi les huiles, les pharaons qui étaient oints, comme on le disait. Pharaon était recouvert ainsi d'huile de crocodile, une huile qu'on appelle Messia. Messia qui est donc le crocodile pour donner force et pour donner la puissance et en même temps le dynamisme au pharaon. Ce qui a donné plus tard Messie et en grec ce qui a donné Christos. Donc on retrouve au sein des pharaons, au-delà de l'embaumement que l'on connaît et des aromates, on reconnaît aussi ces huiles qui voulaient les reconnaître dans leur royauté, dans leur dignité, dans leur force et leur puissance. Il y avait aussi au sein des temples des huiles qui étaient déposées sur des statuettes, ce qui permettait justement d'invoquer des instances divines, des instances subtiles, et on espérait de cette manière-là les faire descendre au cœur de la terre, au cœur du temple, et que chacun puisse en bénéficier aussi. Marie-Madeleine, elle vient comme cela réintroduire les huiles. Les premiers chrétiens, que l'on appelle les premiers chrétiens, on les appelait aussi les faiseurs d'huile. Et Marie-Madeleine, donc, après la crucifixion, va traverser la Gaule. Elle va ainsi être accueillie par les druides, auxquels elle va transmettre eh bien, cette connaissance des huiles, cette connaissance des onctions, cette connaissance des plantes, parce qu'elle avait cette capacité, c'est de pouvoir communiquer avec les plantes. Elle vient au cœur des huiles offrir son cœur, offrir sa tendresse, son amour inconditionnel de femme, réhabilitant ainsi, au sein d'un monde plus que patriarcal, ce possible justement eh bien, de sentir combien le féminin est présent. Et les druides qui à l'époque étaient complètement ouverts et dans cette capacité aimante et reconnaissante de la femme, bien évidemment l'accueillent les bras ouverts lorsqu'elle arrive et qu'elle offre cette connaissance de plantes orientales, de plantes qui viennent d'Iran, de Perse, d'Asie, de Chine et de tant d'horizons différents qu'elle ramène avec elle. Mais on retiendra surtout, à travers Marie-Madeleine, on se souviendra, comme il est dit, longtemps de ce que cette femme a fait. On racontera ce qu'elle a fait dans le monde entier. On se souviendra ainsi des deux épisodes où lorsque Marie-Madeleine eh bien, arrive, fait son entrée au cœur d'un repas, en plein centre de Judée, un monde totalement patriarcal où la femme, par contre, n'est pas particulièrement accueillie, eh bien Marie-Madeleine, en femme, est pleurée, perdue. Marie-Madeleine qui est là dans sa quête de sens, dans cette envie-là, non pas de briller en extérieur, elle n'a pas besoin de ça, elle a tous les moyens pour pouvoir le faire, eh bien une Marie-Madeleine qui, d'un coup, on imagine la scène, le silence, les voix qui se taisent, et une Marie-Madeleine, les cheveux défaits, ce qui était un outrage à l'époque, une fiole de parfum, une fiole d'aromates, se jette éperdue
le visage ruisselant de larmes, aux pieds de Jésus, dont elle reconnaît justement la force, la puissance, mais elle reconnaît en lui la source inépuisable, celle qui va lui permettre enfin de donner sens à son histoire, au-delà de tout ce qui est extérieur. Marie-Madeleine se pose ainsi à ses pieds, éplorée et perdue, le silence se fait. Elle vient essuyer avec ses cheveux des huiles qu'elle a déposées, où elle veut reconnaître justement ses pieds, ses pas. « Je reconnais tes pas », semble-t-elle dire. « Ce qui m'ont amené jusqu'à toi, ce quelque part là que tu as osé faire pour venir nous rencontrer et parler la parole du Père. Je reconnais ses pas et je vais marcher en ses pas. Je viens les honorer. » Ce n'est pas une preuve là d'une femme perdue, mais d'une femme digne, celle qui justement va à l'essentiel pour déposer en l'autre, en ce qu'elle reconnaît, ce possible d'amour et de tendresse, mais cette union possible justement dans l'homme qui vient la reconnaître pour l'aider à se relever. « Va », lui dit-il. Pendant plusieurs années, elle va ainsi marcher à ses pieds. Pendant plusieurs années, elle va le suivre. Sur des routes plus ou moins désertées, de la poussière, la fatigue, les lèvres parfois gercées parce qu'il y avait par trop d'exposition au soleil. Parfois, ils seront rejetés. Et pourtant, elle continue à marcher. Elle se sent remplie, le retournement se fait. Son cœur s'ouvre. Elle ne cesse d'arroser, de donner, d'offrir encore et encore. Porteuse de l'onction et de l'onguent, continuera ainsi à cheminer jusqu'au jour où, en femme désespérée, elle rencontre Yeshua. Il arrive cette fois en la maison de Béthanie, il arrive cette fois en Galilée. « Je viens te saluer, Lazare. Je viens te saluer. » À travers ces quelques paroles, Marie-Madeleine sent son cœur se déchirer, un sombre pressentiment. Alors, sous les yeux ébahis, Lazare est là simplement. Il reconnaît celui qu'il a toujours aimé. Marie-Madeleine s'efface et discrètement, elle revient encore avec une fiole, flacon d'albâtre cette fois. Elle va tout doucement casser la fiole pour venir répandre là sur à nouveau l'enseignant, Yeshua, celui qu'elle aime de toute éternité au-delà de l'amour humain, au-delà des mots. Elle vient déposer cette fois l'huile, mais sur la tête. « Mon Messie, mon Roi, je te reconnais. Je te reconnais dans cette force et puissance, cette lumière que tu as portée sur cette terre. Au-delà des jugements, des condamnations, des colibés, je suis là. Jusqu'au bout, mon cœur aimant sera là. Jusqu'au bout, là, je marcherai en tes pas. Je t'accompagnerai parce que du plus profond de moi, je sais. Certains manquent de s'étrangler. Judas, lorsqu'il voit ainsi le contenu qui se répand et le prix élevé de ce qu'elle a déposé. Non, ce n'est pas parce que tu es un roi que je t'offre cela. Ce n'est pas parce que tu es ce Messie roi. Depuis la nuit des temps, je t'attends. Je reconnais la force et la puissance à l'intérieur de toi. Je reconnais cette source inépuisable. Venez, buvez, abreuvez-vous, nous a-t-il dit. Et moi j'ai compris. À travers ce parfum et cette évanescence, c'est toute la puissance de la femme. C'est chacune de mes cellules qui viennent s'offrir à toi. Au-delà de mon corps physique, c'est mon cœur, c'est mon âme, c'est tout cela que je viens de déposer. À travers l'évanescence de ce parfum, c'est le subtil que je dépose en toi. Non, je ne viens pas déposer simplement des huiles, parce que je reconnais ce corps périssable. C'est ton essence que j'honore. Le plus profond de mon cœur et de mon âme de femme, au-delà des mots que tu as pu transmettre, au-delà des phrases que tu as pu nous offrir, des paraboles qui ont illustré notre vie, nos histoires et nos pas, qui faisaient que parfois, malgré les rejets, les pierres qui ont été lancées, nous avions le courage, la force et la puissance de continuer. Mon cœur a scellé ce sceau d'amour avec toi. Alors je dépose ce parfum. Il est comme ton essence. Il est comme ton esprit. Cette évanescence qui est là, elle nous unit, nous unira à jamais. Au cœur de cette fiole du mystère, je sais. Au-delà du temps, de là où je suis, j'observe et je vois. Cette fiole continue. Elle est sur chaque gravure. Elle est sur chaque sculpture. Sur chaque peinture, elle m'accompagne. D'aucuns m'appellent la porteuse de l'onction.
la porteuse de longueur. Ce n'est pas une bague qui a scellé notre union. C'est simplement cette fiole. Nous n'avons pas été unis comme d'aucuns le pressentaient, dont d'aucuns l'imaginaient. Au-delà de nos corps et de nos cœurs, c'est nos consciences profondes qui se sont unifiées. Alors, ouvrir cette fiole, la laisser aller simplement. Dans ces parfums qui dansent et qui dansent encore au-delà du temps, c'est comme si c'était ce voile que je dépose sur chacun d'entre vous. Au-delà de toi, mon bien-aimé, c'est cette essence que j'ai posée. Au-delà de toi et de ce temps qui va et qui vient, où chacun est en perte de valeur, combien cherchent leur chemin. Suis-moi, pèlerin, sans mes effluves. Elles viennent te chercher. Je ne suis pas celle qui est là, rebelle, repentie, pécheresse. J'ai voulu comprendre. Entends-tu que j'ai voulu comprendre? Je n'ai voulu choquer personne. Non, Pierre, je t'ai tellement aimé. Tu m'as rejeté. Tu m'as haï. Tu as idée de moi que j'étais la préférée, qu'il me préférait à chacun d'entre vous. Lorsqu'un aparté, parfois, je venais vous chercher, c'était tout doucement pour vous prendre la main. Ne t'accroche pas à des mots. Et ils sont parfois enfermants, même si son verbe là n'est que poésie. Viens chercher au cœur de ton cœur. C'est ce qui m'a touchée en lui. Quand j'ai croisé ses yeux, quand j'ai vu son regard, il était là simplement, dans la force, dans la présence de l'instant. Mon bien-aimé, tellement de pas, tellement de temps perdu, et enfin tu es là. Marche dans mes pas, Pierre, marche dans mes pas. Relève-toi. Je ne suis pas là pour t'invoquer et t'inviter à faire allégeance. Je suis là pour t'offrir mes parfums comme je l'ai fait pour lui. Ouvre ton cœur, femme et créatrice, même si elle est parfois mystère. Femme est là simplement pour te dire, ouvre-toi. Je suis à ton service, Pierre, comme je l'ai été pour lui. Tu as fédéré. D'aucuns ont haï la femme. Celle qui, messagère comme moi, pouvait me représenter. Mais je suis là. Je suis là simplement. Mon amour est perdu. Et là, il peut s'offrir à toi. Et à chacun. Judas n'a pas trahi. Il était le plus proche, celui qui savait, celui qui sentait. Lorsqu'il a poussé un cri, ce n'est pas tant parce que j'ai répandu ce parfum. Nar était là. Des lointaines contrées, là où sur les pentes de l'Himalaya, il avait poussé. Lorsqu'un jour, je sais, mon oncle l'a ramené. J'ai vu descendre là comme cela un paquet du dromadaire. Je sentais les effluves déjà, les vibrations qui me parlaient. Mais en même temps, grand pressentiment. Ce nard, je savais. Il ne serait pas la mire déposée sur les blessures et sur les plaies qui te seraient infligées, mon aimé. Il serait ce parfum de grand prix, parce qu'il fallait au moins cela pour un roi. Quand Judas s'est étranglé, non, ne croyez pas que c'est par rapport à la valeur. Ce sont vos textes qui ont signifié cela. Judas l'a déposé, là, tout doucement, là. Il est venu sentir, toucher. Mais son cœur était déchiré. Il savait en initié qu'il avait été choisi. Il savait en initié qu'il devrait se sacrifier. Comme un jour, il y a bien longtemps, lorsqu'un ange déchu, soi-disant, du paradis s'est perdu. Souviens-toi, ce Lucifer que tu as condamné, Satan. Il a joué le même rôle, le même rôle. De renvoyer tout doucement à toi pour te dire « Regarde-toi !» Judas, il a accepté ce rôle-là. Accepté de jouer le rôle ingrat, celui qui soi-disant trahit. Non, pour que l'alchimie puisse se faire. Nous étions au courant l'un et l'autre. Nous savions méditer. Nous étions posés pour préparer cet instant lorsqu'il a hurlé. Ce n'est pas le prix du parfum. C'est parce qu'il sentait que les temps étaient comptés, que l'échéance était là, et que notre bien-aimé nous serait enlevé. J'étais déchirée entre la mission qui était la mienne, la force et la puissance de ma fidélité, de mon engagement envers lui.
mon cœur de femme qui était déchiré. De grâce, Dermer, ne me le prends pas. Pas encore. Pas encore. C'est trop tôt. Sarah est trop jeune pour cela. Que vais-je lui dire et que vais-je lui raconter? J'avais tellement besoin. Tellement besoin encore de le sentir, là. Oh, je savais. Vos yeux, vos mains étaient tellement vides de sens, de quête d'amour qui n'avaient qu'une envie et qu'un besoin. C'est pouvoir se l'approprier. Mais la Pâque était là. Les rumeurs grandissaient. Le peuple grondait. D'aucuns avaient besoin de spectacle parce qu'il était nécessaire en cet instant que nous puissions la sentir que quelque chose de nouveau était là. Nous étions tous déchirés sur la sellette à cran. Lorsqu'il nous a regardés, nous signifiant par son regard profond, nous s'accomplissons ce que doit s'accomplir. Père, je suis prêt. Alors il m'a serré dans les bras. L'onction et l'huile ruisselaient encore. Elle venait caresser son visage. Je ne sais si c'était les gouttelettes, le reflet que je voyais, ou si c'était simplement ses larmes aussi qui ruisselaient. Il me regarda une dernière fois. Myriam, sois forte. Allez, continue le chemin. Comme si les effluves venaient m'entourer, venaient brasser. Comme une spirale autour de moi, elle venait, descendait jusque dans mes tréfonds. Je me suis sentie la force et la puissance d'une femme missionnée. De la dernière, je suis devenue la première. Oh non, que je cherchais. Il avait simplement donné sens à ma vie. Il avait simplement affermi mes pas pour qu'enfin le chemin la me mène quelque part. Ce quelque part, vers plus grand que ce que je n'étais. Au-delà du temps et de l'espace à travers mes parfums, ces plantes avec lesquelles j'y parle, c'est votre âme que j'engrange en moi. Force et puissance et réémergence. De cette terre mère à travers ce végétal qui est là et qui me dit encore et encore, Myriam. Parfois, notre sève descend au plus profond de nous pour réémerger, réémerger encore. Force et puissance de vie est toujours là comme toi, femme. Marche, marche. À travers mes parfums et mes essences, c'est ce que je vous offre au-delà du temps. À travers mes effluves sacrés, musc, galbanum, encens, myrrhe, oliban, verveine, je suis là. À travers chacune, c'est mon amour que je viens y déposer. La force et la puissance qu'il a posée à l'intérieur de moi et sa lumière qui me permet de rayonner. Le jour où il m'est apparu, pierre du tombeau s'était effacée. Le jour où il m'est apparu, il a posé comme cela sa main pour me dire « Continue ». Oh, je n'ai pu le toucher, j'aurais tellement voulu l'étreindre, lui dire « Mais tu es là ». Mon Dieu, Père, que j'ai douté de toi. Mon Dieu, que les colères parfois étaient là et tu témoignais de ta force et de ta puissance. Alors je me suis relevée. À nouveau, j'ai dit oui. Depuis la nuit des temps, je suis comme un souffle sacré. Je viens entourer chacune d'entre vous, femme, jeune, à la peau claire et parfois burinée, plus mature là comme des prêtresses, et druides, chamanes, je viens autour de vous chanter, danser, à travers mes parfums et mes fioles. C'est toute cette histoire que je viens déposer. Ne garde pas l'image d'une croix, ne garde pas l'image des hommes qui chantaient et d'y danser, alors que d'autres sera tatiné, se faisant discret pour disparaître, ayant peur de finir de la même manière. Jusqu'au bout, j'ai marché. Au pied de sa croix, j'étais là. Mais ce que je viens chanter et danser, c'est la force et puissance de vie qui ne cesse et ne cesse de venir m'enluminer. Il est là tout autour de moi, plus présent que jamais. Détache-toi, détache-toi. Alors que parfois tu es là et tu doutes, je viens t'apporter la foi, le courage, l'envie d'avancer. Non, ne vois pas en ce monde qui s'effondre
l'effondrement de l'intérieur de toi. Mais c'est possible que les décors illusoires, ce possible-là, que tout ce voile d'illusion se tire et se tire enfin, pour que tu vois la vie, celle du plus profond de ton cœur et de ton âme, celle qui l'a su réveiller, comme une flamme inaltérable à l'intérieur de moi. À travers cette fiole, ne vois pas la fin, mais vois plutôt une alliance, celle d'un rayon solaire, celui qui l'a été, pour qu'au cœur de mon ventre, de ma matrice et de celle que j'étais, dans ma force lunaire, je puisse me relever. Au-delà du temps, d'aucuns m'ont appelé Gaïa, Inanna, Maïmata ou Isis. Je suis force et déesse mère. Il m'a dit, relève-toi. Alors aujourd'hui encore, au-delà du temps, je suis là. Sois mon amour, mes parfums. Combien je t'ai aimé et combien je t'aime encore. Toi, pèlerin comme moi, qui cherche sens à ton histoire, ne doute pas, la vie est là et à jamais. J'en suis simplement le témoignage. De la dernière, je suis l'élu. De la dernière, je suis la sainte, la reconnue, rien de tout ça. Femme simplement, jusqu'au plus profond de moi. Bonjour, je suis Nadine Sarah. Pendant des années, j'étais en quête de mon identité et j'ai rencontré donc sur mon chemin différents êtres qui m'ont marqué, dont un particulier, cette femme mythique, Marie-Madeleine, qu'on appelait donc la porteuse de l'onction et de l'onguent. Donc c'est elle qui m'inspire, hein, comme vous avez pu le vivre précédemment. C'est elle qui m'inspire et qui m'a inspiré de cette manière-là des huiles. Des formules qui se sont avérées être des onctions. Donc depuis quelques années maintenant, je travaille avec des huiles, des onctions, et voilà, pour lesquelles eh bien, j'accompagne chaque être à recevoir le subtil jusqu'au cœur du dense et jusqu'au cœur de sa matière. J'ai déjà envie de vous parler de ces huiles et peut-être de la composition de ces huiles, parce qu'on ne sait peut-être pas ce que c'est qu'une onction. Donc une onction, elle va être composée d'huiles essentielles. Donc on sait en Perse, en Iran, en Chine, depuis des millénaires, l'impact des huiles essentielles sur l'individu, autant pour le physique, l'émotionnel, que pour l'âme, et puis le fait est d'aller vers un mieux-être à travers les huiles. Donc je vais utiliser des huiles essentielles qui sont naturelles, biologiques, de personnes qui sont motivées, passionnées aussi, parce que l'huile étant vibratoire, c'est important qu'elle puisse avoir un taux le plus élevé possible. Au-delà d'huiles essentielles, mes huiles sont composées de macérats, donc particulièrement sur la base de l'huile d'olive, mais il y a d'autres huiles aussi, dans lesquelles je vais déposer des plantes, des fleurs, que je vais ramasser selon la lune, selon les quartiers de lune, pour correspondre justement à une dynamique particulière et à une attente particulière. La troisième composante, ce sera l'huile végétale, qui est prioritaire et majoritaire dans l'huile. En général, l'huile d'olive, et on connaît la symbolique de l'huile d'olive. Hein, quand on nous parle du rameau d'olivier, hein, de la colombe et du rameau d'olivier, quand on nous parle de Jésus au jardin des oliviers, bien, l'huile d'olive, elle vient non seulement accompagner pour l'alimentation, le massage, mais par sa force, sa puissance d'ignition, son éclairage, elle vient aussi apporter la lumière. Donc tous ces composés se mélangent, et au-delà de la structure moléculaire, il y a un rituel de consécration.
un rituel de consécration qui va permettre d'élever le taux vibratoire de l'huile et qui sera inspiré en fonction de l'huile qui est reçue. Donc je ne sais pas au préalable quel sera ce rituel, si ce n'est un lieu commun entre toutes les onctions, d'accompagner les onctions par les quatre éléments, de les accompagner en fonction là aussi du quartier de lune et de l'objectif d'une onction. Une onction qui est en lien avec de l'intériorisation, de la méditation. Il est clair que ce sera plus une composition lune descendante par rapport à une huile qui est une réhabilitation, donc au moment par exemple de la pleine lune. Donc c'est l'énergie de la pleine lune qui sera déposée dans l'huile. Donc ce rituel de consécration sera fait à un moment bien particulier. Et il va consister en l'évocation de forces subtiles qui vont venir dynamiser l'huile, qui vont venir lui permettre d'avoir ses lettres de noblesse et un taux vibratoire élevé. Et l'huile étant fluide, onctueuse et voluptueuse, il y a cette part féminine qui est la sienne et qui, avec douceur, va descendre jusqu'au cœur de la matière. Donc l'huile est vraiment un sceau sacré qui vient nous rappeler notre espace divin, qui vient nous rappeler notre dimension la plus élevée qui soit. Elle est comme une signature qui va descendre jusqu'au cœur de la matière, avec un cheminement un petit peu particulier. Donc l'huile va traverser toutes les strates de la peau. Elle va descendre jusqu'au cœur de la cellule. Elle va permettre ainsi que soit modifiée la vibration, donc le champ aurique de la personne, et elle va permettre une harmonisation avec parfois une libération au niveau de l'émotionnel. Il n'y a pas oublié non plus que l'huile étant en lien avec l'odorat et toutes les fragrances qui sont mélangées, elle est en lien avec le souffle. Ce souffle qui est en lien avec l'esprit, comme nous disent les Grecs, pneuma, et le fait d'amener le souffle jusqu'au cœur de la matière, eh bien, l'être se retrouve sur plusieurs plans en harmonie, en ajustement, pour lui permettre de retrouver véritablement eh bien, son espace le plus large, le plus vaste, le plus noble, faisant de lui, comme on le faisait dans le passé à travers les huiles d'onction, un prophète peut-être, mais en tout cas un roi ou une reine, à la royauté retrouvée. Donc depuis quelques années, ce travail avec les huiles, j'ai envie de dire cette œuvre qui me traverse et qui m'est inspirée, eh bien, je la partage avec mon compagnon d'âme, mon mari, pour que nous puissions ensemble œuvrer comme ont pu le faire tant de couples sacrés, que ce soit Marie-Madeleine et l'enseignant ou d'autres couples au sein de notre histoire et du temps. Pour offrir tant ces huiles de par ce féminin qui est le mien que par le masculin de Franck. Donc depuis quelques années, c'est ensemble que nous œuvrons à travers les huiles et au service desquelles nous sommes. On nous pose souvent la question pourquoi 22 huiles, pourquoi 22 onctions alors qu'il pourrait y en avoir qu'une seule qui puisse résoudre instantanément toutes nos problématiques d'humains, tout simplement parce que ces huiles d'onction, elles se déclinent dans différents aspects et viennent toucher l'individu dans différentes dimensions. Donc il y a des huiles qui sont plus spécifiquement attachées au travail sur le corps. On va travailler sur l'émotionnel, on va travailler sur l'histoire de la personne. On nous entend souvent dire dans nos conférences on ne peut pas faire l'impasse de notre histoire humaine pour aller vers ce chemin de spiritualité, vers ce chemin d'éveil vers lequel nous sommes tous un petit peu en pèlerinage. Et il y a donc des huiles aussi qui vont travailler d'une façon un petit peu plus subtile sur le cœur, ce qu'on a nous défini comme étant les huiles du cœur, qui vont travailler déjà sur un plan un petit peu plus subtil, un peu plus élevé pour la personne. Et puis ensuite, les huiles de la conscience, qui vont toucher véritablement ce qui pourrait être la finalisation de l'ensemble du travail que nous proposons, qui est celui de pouvoir aider à l'émergence, pour chacun d'entre nous, de notre âme, c'est-à-dire de la mission d'âme. Nous sommes, Nadine et moi, très, très attachés à pouvoir répondre auprès des personnes qui viennent nous voir à la question « qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre ?»
Et cette grande question est bien, bien souvent inquiétante ou angoissante pour certaines personnes, parce que au-delà de nos fonctions humaines, au-delà de nos professions humaines vers lesquelles on a pu aller pour se réaliser sur un plan matériel, il arrive un moment où nous touchons à une limite, nous touchons à une limitation aussi, et que se pose pour un grand nombre de personnes l'idée d'un rôle ou d'une mission à accomplir sur cette terre. Alors, à notre humble niveau, nous essayons d'amener les personnes vers cette dimension d'eux-mêmes qui leur permet de pouvoir peut-être revisiter à un moment donné leur chemin de vie. Nous les poussons pas dans le dos à démissionner ou à quitter des emplois ou à faire ceci ou à faire cela contre le gré, mais nous ouvrons, je dirais, des projecteurs pour que la personne puisse avoir une meilleure lecture sur l'ensemble de son histoire et sur le chemin possible qui lui est peut-être maintenant ouvert pour qu'elle se réalise d'une façon différente et peut-être sur un plan beaucoup plus subtil. Donc ces onctions, ce sont des grimoires, ce sont des creusets alchimiques dans lesquels sont renfermées des informations qui vont venir toucher la personne à un moment précis de son histoire et la toucher à un espace précis aussi de son être. Donc voilà, nous travaillons de cette façon-là et puis il y a toujours résonance par rapport à ces huiles. Il y a le côté olfactif, et Nadine pourra en parler beaucoup puisqu'elle a fait des formations sur l'olfaction, et l'huile bien évidemment elle va se travailler en contact sur l'épiderme, mais on peut travailler aussi à distance et on peut travailler aussi sur des lieux, on peut aussi réharmoniser des lieux, on va faire un travail à la fois énergétique, vibratoire. Hein, le propos tout à l'heure de Nadine, qui était un propos inspiré, pourrait laisser entendre qu'il s'agit d'une mémoire qui ressurgit, ce qui est vrai, c'est-à-dire que c'est une réémergence de mémoire qui nous est offerte pour ces temps modernes. Mais j'ai envie de dire qu'il faut passer de l'antique au quantique, hein, c'est-à-dire de voir aussi comment nous pouvons utiliser ces huiles sur un plan subtil et sur un plan qui peut nous amener sur des soins à distance, sur des soins de réharmonisation, comme je le disais tout de suite. Les huiles sont vraiment un chemin initiatique et ce possible au-delà du temps, en effet une réémergence de savoirs ancestraux, de savoirs du passé. Les anciens maîtrisaient ce lien au monde végétal et reconnaissaient en la nature, en la déesse mère, ce possible de les enseigner sur le cycle de vie, sur cet éternel recommencement, sur ce possible de sentir dans des moments où cela est plus difficile ou interrogeant un germe de vie qui est là. Et l'onction se veut frayer un passage pour une ouverture au niveau du corps et permettre véritablement à ce que le germe puisse se déployer. Donc elle est ce possible, ce magnifique cadeau du ciel et de terre-mère qui, par l'entremise de Marie-Madeleine, nous est proposé avec un espace qui n'est pas négligeable, celui de redonner ces lettres de noblesse au corps. Depuis des millénaires, le corps est condamné, le corps est rejeté, et à travers ce féminin qui vient arroser la terre de son amour, de sa force de puissance, d'accueil, hein, face à l'injustice, face au désespoir, à la déchirure, Marie-Madeleine est là, elle parle encore et encore, elle continue à fabriquer des baumes, des onctions, on la retrouve comme cela dans son énergie, dans sa vibration, en différents endroits, au cœur d'une multitude de femmes et d'hommes de plus en plus ouverts dans ce féminin. Et à travers l'onction, il y a véritablement, et ce féminin, l'accueil du corps en lui-même. Ce possible, peut-être, dont Marie-Madeleine vient témoigner,
quand elle a cette épaule dénudée, quand elle est recouverte de rouge, qui est cette couleur de la sensualité, comme pourrait l'être la couleur de certaines huiles, de certaines essences, pour dire, allez, que le corps puisse être accueilli. Donc l'huile en elle-même, c'est véritablement faire descendre le sacré au cœur de la matière pour redonner au corps ses lettres de noblesse et non plus laisser scinder dans cette dualité, dans ce monde, le corps d'un côté, le cœur de l'autre, l'esprit encore très évanescent et qui nous semble si inaccessible. L'huile en elle-même, elle vient recentraliser toutes ces informations pour les porter avec amour, tendresse et douceur, suavité comme j'aime à le dire, sur le corps et pour le reconnaître et lui dire je te reconnais matrice, expérience possible à travers toi de l'âme et de l'essence. Donc l'onction en elle-même, c'est ce qui nous parle, c'est ce qui nous appelle, non dans l'idée d'un mental ou d'une quête, mais plutôt dans une offrande, dans un service où nous nous effaçons pour nous laisser traverser et pour offrir ce qui a besoin de réémerger. Depuis Marie-Madeleine, peut-être Inanna, la terre-mère et le monde végétal, mais tous les élémentaux qui sont dans la gratitude aussi, de voir combien le végétal, nous avons entendu son langage et nous venons le sublimer. C'est vrai que les onctions sont, c'est aussi une quintessence. Derrière ça, on peut y trouver tout un chemin à la fois initiatique, mais aussi alchimique. L'alchimie de la terre et de la lumière, l'alchimie de la terre et du soleil, parce que bien évidemment qu'une huile, ça va s'extraire à travers la chaleur, mais ce que nous on a aussi compris, c'est que le végétal était porteur d'informations qui n'étaient pas des informations émotionnelles. Ça veut dire que quelque part il y a quelque chose de pur et de sacré dans le végétal. Et aujourd'hui, on voit cette réémergence à la fois du féminin sacré, le retour de tout de mouvements qui vont vers la notion de la terre-mère, réémergence de la terre-mère. Ce n'est pas une espèce de folklore un petit peu pour revenir vers Dame Nature d'une façon un petit peu amusée ou amusante ou superficielle. C'est véritablement ce qui peut et pourra sauver l'humain à partir du moment où il va reprendre racine et corps avec cette terre-mère. Et l'expression de la terre-mère, ça passe par le végétal. Le végétal, ce sont les arbres, ce sont les plantes, ce sont toutes ces essences qui sont à notre disposition pour nous nourrir, nous vêtir, nous loger et autres. Et l'homme doit véritablement se reconfigurer dans son expérience de vie avec les éléments naturels. Ce n'est pas un retour vers la nature, mais c'est surtout une prise de conscience essentielle que l'on ne peut pas faire sans la nature. Et donc ces onctions, elles sont là aussi pour recréer ce lien entre l'homme, son essence profonde, et puis le lien avec la terre-mère. On ne pourra pas se sauver, je dirais, dans des intellectualismes, dans une spiritualité qui soit déconnectée avec les énergies, avec les éléments. Et donc, quelque part, il nous faut aussi, j'ai envie de dire, retrouver le sens du lien, retrouver le sens de la reliance, bien évidemment, qu'on cherche la reliance pour essayer d'avoir de beaux messages qui puissent éventuellement nous sortir de cette torpeur d'incarnation qui est un petit peu douloureuse et difficile dans ces temps particuliers. Mais je crois qu'il faut aussi beaucoup de silence et revenir complètement dans le lien avec la terre-mère, avec la nature. Et à la fois, c'est ce condensé un petit peu qu'offrent les onctions, c'est-à-dire un produit alchimique à disposition de nos âmes pour que nous puissions, avec aisance, faire à nouveau ce lien, quoi. Donc, merci à terre-mère de sa générosité, de son abondance, de sa variété à travers des essences, qu'elles soient de fleurs, de feuilles, de résines, d'écorces, de racines. Merci à terre-mère de nous offrir ce possible d'apaiser nos corps, de guérir nos cœurs et d'enluminer nos âmes.